Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas un goût de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun d'entre nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous vous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait, grâce à eux, le chapitre le plus sombre de son histoire, 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Jean Blou, de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien plus jamais ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde de fond en comble ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les beaux jours, annoncés par le Conseil national de la Résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.
campagne, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je crois que le président de la République l'a dit dans son discours, ce n'est pas un jour de fête habituel. Pour autant, nous avons le devoir d'honorer nos anciens, morts au combat, ceux qui sont battus pour la France et qui ont fait que notre pays reste un pays libre. Donc je crois que c'est important de ne pas décrocher par rapport à ce genre de choses, d'où la présence d'ailleurs des parlementaires ici aujourd'hui, des représentants des collectivités, ce qui montre bien que les institutions ont à cœur de témoigner vis-à-vis. Oui, alors nous allons maintenant au monument aux morts spécifiquement dédié à ceux qui sont décédés pendant la résistance, pour des faits de résistance. Et après, bon, cette cérémonie sera ainsi terminée. Vous l'avez vu, c'est une cérémonie finalement très, très réduite en volume. Mais les raisons sanitaires l'expliquent. Alors, c'est un petit peu une frustration pour beaucoup. Et je pense notamment à tous les porte-drapeaux qui nous accompagnent habituellement, qui sont dévoués, qui viennent à chaque fois, mais pour lesquels ben, voilà, des conditions de santé ou d'exposition au risque sanitaire, nécessité de ne pas les convier. Le confinement, la fin de ce confinement prend jour. Vous donnerez bien sûr des informations demain lors de la conférence de presse. Qu'est-ce qu'on peut déjà en déduire, soit savoir ou pas, au niveau des activités? Et il vous semble que l'ensemble des points sont prêts maintenant? Beaucoup de choses ont été préparées depuis 15 jours. Je pense notamment à tout le travail qui a été mené par l'éducation nationale vis-à-vis avec les écoles, avec les directeurs d'école, les élus et les parents. Et puis maintenant, la deuxième étape, c'est aussi tout l'aspect sanitaire dans sa nouvelle dimension. Et nous avons travaillé dessus également. Donc je pense que globalement, on est quand même prêt à démarrer.